Bonjour à toi citoyen et bienvenue sur ce nouvel épisode de Call of Duty World War 2. Allez, hier on avait commencé à attaquer la garnison de la commandante turque, je suppose. On va leur péter les dents. Oui, j'avais un bar moi. Bah c'est bien les fumigènes, mais moi je vois rien derrière. J'ai aucune idée d'où je tire. Hein. Tout trouve ça complètement débile ce genre de. Balance-la ! Ce genre de truc parce qu'on voit que dalle là. Je veux dire, en termes de gameplay, c'est de la merde. En termes réalisme, oui, je veux bien comprendre. Mais là, en termes de gameplay, c'est de la grosse merde. Et pourquoi j'ai que le fusil à pompe? Vous êtes sérieux? Et j'avais un bar et un M1. Moi, je veux récupérer mes armes. C'est franchement mieux qu'il y a putain de shotgun. Enfoiré. Bon, bah, c'est pas grave, on va y aller à la MP40. Hein. Ça me manque rien. Ok. Après la force. Voilà. Ah. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. Oui, merci, voilà. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. Récupère tes munitions. Pas des carcatans de vite normaux ici, non? Oh, il est bizarre ce viseur, c'est pas un viseur de car 98. La ville tout entière s'est soulevée, on y est presque. Il balance des fumigènes dans la rue. Je vais chercher un tueur. Daniel, vise le chauffeur. Tous les autres, attends qu'il soit avancé. Pourquoi il a explosé? Je sens que normalement la carte 98, tac, c'est rechargement coup par coup, c'est pas rechargement clip. Ouais, je me trompais. Justement de la lunette qui est trop volumineuse. Où ça? Dans l'immeuble, dans quel immeuble? Et ta gueule, je fais ce que je peux. Grenade à envoyer. Voilà une trousse de secours. Balance-la. Et un flingue arrive sur l'autre pont. Ah, you la toile. You la frag déjà de base. Ah, il y a. Quoi? Il est pas mort? Il faut que tu le percer, faut que tu prennes tes molotovs. Par là peut-être. Non, pas du tout. Là. Ouais, molotov limité, on va pas s'emmerder. Hein. On va pas s'emmerder, hein. Écoutez, on va. Oula. Monsieur, on reste, regarde. Alors. Je sais pas où est le Panzer Shrek. Je me disais où était le poison de chat, je pourrais peut-être le buter le. Oula. Oula. C'est scripté? Ah ouais, je pense que c'est scripté.
Pourquoi dégager? Tu me donnes ça s'il te plaît, merci. Pourquoi dégager? À cause du Molotov? Ouais. Pourquoi c'est toujours à moi de tout faire? Faites-le vous aussi, putain! C'est bon? Je peux récupérer mes armes? Merci. Bon, balle derrière la côte, enfin entre les côtes. C'est la fête, c'est la fête de ce niveau, on me prend la tête. Pardon, je connais par cœur cette putain de chanson. Très bon travail les gars, très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. Il est où Fischer? On aura du champagne et du caviar finalement. Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un beau GI? Désolé l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Enfin, voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Rollet? On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, personne. Laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Wouh! Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu personne sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin. Appuyez sur Entrée pour continuer. Allons-y! Mais jeu vraiment sympa, je trouve. Un peu fini à la piste, mais j'aime beaucoup la campagne. J'essaie de jouer un peu multi. C'est pas ma tasse de thé du tout. En plus, il plante le multi. En tout cas, sur mon PC. Je pense quand même que mon PC est un petit peu vieux. Il a quelques années déjà. Il faudrait que je commence à changer quelques trucs. Pourquoi il y a l'écran noir? Non, j'aime bien la musique, mais j'aimerais bien avoir quelque chose en plus. Ah, voilà. Bon, on voit le truc de chargement. Qui ne charge pas. Ah, putain. Non, sérieux, les mecs, je l'ai mis en bas. Charge! Ah voilà. Alors, dommages collatéraux. C'est où? Dans les Pays-Bas? Qu'est-ce que ceci? Octobre, Aix-la-Chapelle. Ah, Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. Il me semble que Aix-la-Chapelle, c'est l'une des dernières missions de Medal of Honor en première ligne. La libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a donné de tout nettoyer. Maison par les cinématiques Buck, c'est beau ça quand même. Comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Je ne peux pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Eh, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Eh, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier?
Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniels, quoi, arrête. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé, mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? À quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Tenir la place bien longtemps. L'artillerie est en chemin. Ils disent être là dans 10 minutes. C'est pareil que 10 heures. Lieutenant Turner, nous faut des indices. Richard, couvre notre plan. Couvrez la douce et laissez-moi réfléchir, mon Dieu. Pour ça, bon, Daniel, toi et Ayello au téléphone avec Pearson. Vite. Allez, c'est parti. Daniel, vite au téléphone. Il va bien. Mais... laissez-moi arriver, bordel de merde. Sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le flanc! Ok, ramenez vos fesses le plus vite possible! Bien compris, on se met en route! Et maniez-vous, ces packs nous réduisent en charpie! Terminé! Envoyer des chars contre des packs? C'est pas très intelligent, bon, ça! Direction le Stadttheater, la première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue, on bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Rapson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poul, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres. Ok, Rapson, en route. Ok, donc on tourne avec, avec le canon. Je crois. Ah non. C'est un peu bizarre la façon de conduire le véhicule là. Sur leur terrain, c'est plus de tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. C'est pas leur façon de voir. Unité Panzerschreck! Rechargement en cours! Non, il y en avait pas. Où tu vois des Panzerschreck? Fantassin Bosch a un pâté de maison. Tire d'armes légères, ils attaquent l'autre. Feu à volonté! Attention au Panzer Schreck, droit devant! Je sais pas si on peut changer d'arme pour, pour la mitrailleuse ou bien. Panzer Schreck, aux étages supérieurs! On vue chargée! Voilà! Ah, G, voilà! C'est ça que je voulais savoir. Boom. Normalement il n'y a plus rien. Là non plus. C'est bon? C'est bon. Putain, ils sont derrière. Ouais, de la merde. J'ai l'impression que dès qu'on est un char, toute la putain d'armée allemande, toute l'infanterie, tous les fantassins ont des Panzer Schreck. Dans n'importe quel jeu, c'est marrant. On n'en voit jamais, sauf quand on est en char. Ça, c'est drôle. Rapson, ralentissez, je vous vois plus. J'ai la cathédrale en vue, on y est presque. Et il va mourir. Et là, boum! Panzer, sur la droite, la droite! Rapson, incendie!
Qui est dans l'habitacle? Aux écoutilles? Qu'est-ce que je disais? Merde! Sortez! Sortez! Absente! Non! Terrestre, le compteur est trop bien d'efface! On doit le prendre de côté! Bien sûr! On reste en mouvement! Du chat de la souris là. Mais il est là, connard. Mais voilà. Blindé hors de combat. Absinthe, répondez. Il va pas répondre. Absinthe, vous recevez? Il te recevra pas. T'as vu la tronche du bain du truc. Absinthe, je suis désolé. J'aime pas cette vue. Je la trouve horrible. Allez. Attirez-le! On doit viser ses flancs! C'est pas un tigre du tout, ça! Putain! On est comment là? On a l'endroit ou l'envers? On a un autre panzer ici aussi! Au but! C'est quoi ce bordel? Ils nous ont dans le viseur! Ah putain, je vois rien! Leur blindé nous a tiré dessus par derrière! Le tigre nous arrive sur la gauche! On se fait écraser! Ok, c'est comme ça. Je sais pas si j'étais en marche avant ou marche arrière juste avant. Tir confirmé en plein flanc. Il est devant ou derrière? Oh, ça a ricoché ça. Oh, ça a ricoché ça. Putain de merde. Sortez de sa ligne de visée. On va pas pouvoir en supporter plus. Au but. T'as encore détruit, bordel de merde. Oh non, 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 non. Le tir a rebondi. Mais c'est quoi ce... Franchement, la maniabilité de ce char est abominable. C'est un tigre. Attirez-le. On doit viser ses flancs. On a un autre panzer ici aussi. Putain de merde. Maniabilité de l'enfer! Essayez de viser ses flancs! Mais ta gueule! On est vulnérable! On se fait écraser! Putain! En plus, comme il n'y a pas de map de merde, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Oh là là! C'est quoi cette zone? Confirmé en plein flanc! Et nous vise! Tirons-nous de là! Le blindage a dévié! C'est pas possible! Char ennemi hors de combat. Je suis comment? Oh, il est derrière. On va pas pouvoir en supporter plus. Cette maniabilité est abominable. Je pense que vous l'avez fait cette mission. C'est affreux. Dans le mille. Oh merde. En plus, t'as le tank, t'as le sprite de notre tank à nous, et je sais pas où est-ce qu'il finit. Dégueulasse. Ah, c'est gameplay horrible. Rapson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en haute. Tu peux pas me régène là, le servant? T'as une liste du fruit tout à l'heure. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. Bisous. Allez.